Quel est le message de la personne que tu aimes, ton crush, ton ex, ton chéri, ta chérie, peu importe, à te dire selon ton signe astro? Tu peux aussi aller trouver le signe de la personne que tu aimes pour faire un petit croisé, voir si ça correspond. En deux vidéos, seuls ceux qui sont abonnés volontairement au profil l'auront dans son intégralité, les 12 dans la même vidéo. Voilà, allez, on y va. Et puis, bah, croise les doigts pour avoir un message positif quand même. Pour toi qui es cancer, qu'est-ce qu'il ou elle a à te dire? Tu te concentres, tu fermes les yeux, tu l'imagines, tu te poses et tu peux mettre un commentaire. Merci, enfin, ce que tu veux, quoi. Je ne suis pas insensible à ton charme. J'aime bien ça. Scorpion, tu te concentres? Je n'y croyais plus. Ça vaut un complément, ça. Mais fais le premier pas. Ah, lance-toi, Scorpion. Même si tu es un peu timide, introverti, n'hésite pas. Balance. Nous deux, ça m'arrive d'y penser surtout la nuit. Holé, holé. Ça ne te dit pas si c'est quelque chose de plus, hein, mais en tout cas, il pense à vous parfois et il a de l'imagination, hein, il ou elle. Vierge, qu'est-ce que mon chéri a à me dire? C'est compliqué pour moi pour le moment. Moi, elle peut mieux faire. Ah! Parce que tu es trop importante ou important pour moi pour faire n'importe quoi. Si ça, c'est pas une promesse d'amour, je ne sais pas ce que c'est. Poisson. Je sais que tu sais. Parfois, il ne faut pas rester sur des... On pense que... Il est peut-être temps de passer à l'action. Lion, quel message je vais passer à mon chéri. J'ai peur que tu me fasses du mal. C'est possible. Il y a encore du travail, même quand tu es réuni. Je n'arrive pas à oublier une personne. Bon, il y a une relation qui n'est pas totalement finie et il sait qu'il a besoin de temps encore pour passer à autre chose. Suite en partie 2. Message de la personne de ton cœur. Ça peut être ton ex, ton crush, ton chéri, ta chérie. Peut-être tu avec quelqu'un avec qui tu es ou tu es en distance ou c'est compliqué. Tu l'adaptes à ta situation. Les 6 premiers viennent de sortir. Je t'invite à aller les chercher si tu n'es pas abonné à la page. Seuls ceux qui sont abonnés volontairement à la page l'auront dans son intégralité. Donc, bah écoute, laisse-toi porter. Bélier. Tu te concentres. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça veut dire qu'il ne l'est pas aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain il ne le sera pas. J'ai envie de te dire, on ne sait jamais quand on s'engage avec quelqu'un, enfin quand on commence quelque chose avec quelqu'un, si on pourra aller sur de l'engagement. Verseau, je n'arrive pas à oublier une personne. Bon. Pas encore fini. Capricorne. Est-ce que tu es vraiment sûr de tes sentiments? Est-ce que c'est de l'attachement? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié plus plus? Pose-toi cette question. Gémeaux. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Allez, un petit complément. Mais je pense à toi souvent. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas, mais ça veut dire que pour l'instant, on y va avec légèreté. Sagittaire. Je t'aime en secret. Et c'est une pépite, ça. Je t'aime en secret. Intéressant. Taureau, le dernier. Désolée, mais je ne suis pas intéressée. Bon, bah écoute, ça veut dire qu'il faut que tu passes à autre chose. En tout cas, c'est pas partagé. Allez, des bisous.